Hey, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière parce qu'on sort d'une vidéo en jeu roue. Je commence à refaire des vidéos un peu différentes, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous présenter un site que j'ai découvert qui s'appelle 5€, je vous en ai déjà rapidement parlé. C'est là où j'ai trouvé la personne qui m'a fait le graphisme de mon illustration de chaîne et mon logo de chaîne que j'espère que vous aimez. Donc ce site il va être utilisé pour plein de personnes parce qu'il regroupe énormément de choses. Donc comme ce site l'indique, il s'appelle 5€. Donc il faut savoir que n'importe quel service coûte au minimum 5,70€. Pourquoi 70? Parce qu'il y a les frais en fait qui sont liés à chaque achat. Et vous avez en plus à chaque option en fait des frais supplémentaires. Donc vous avez plein de catégories. Design et graphisme, rédaction, audio, vidéo, programmation, marketing digital, réseaux sociaux, aide et conseils, voyage, insolite. Donc là-dedans, il y a un petit peu de tout. Vous en fait, c'est ce qu'on appelle des microservices. Donc vous tapez ici ce que vous recherchez, peu importe ce que vous recherchez, vous le tapez et vous allez trouver des gens qui vous proposent de tout simplement de le faire pour vous, pour vous aider, etc. Donc tous les services sont payants, vous pouvez discuter avec les personnes, négocier. Il faut savoir que la personne reçoit l'argent qu'une fois que vous avez validé ce qu'elle vous a fait. Donc si vous demandez un dessin, tant que vous n'avez pas dit oui le dessin je l'ai reçu et il me convient, la personne ne reçoit pas l'argent, c'est vite les histoires. Donc si je dis pas de bêtises, la personne reçoit 4€, et après le site reçoit 1€, et les 70 centimes c'est les frais des banques, des partenariats, machin, si je dis pas de conneries. Donc je vais vous donner quelques exemples pris au hasard sur le site pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a comme type de microservice. Donc par exemple, trouver le cadeau parfait. Là c'est quelqu'un, voilà, vous cherchez un cadeau pour votre. Je sais pas, pour votre copine, pour un ami, vous savez pas quoi lui offrir, et ben vous lui donnez en fait quel budget vous avez, qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle porte habituellement, voilà. Donc il y a tout un tas de questions qu'elle vous pose, donc vous répondez à toutes les questions, et grâce à ça, elle va faire une recherche pour essayer de trouver tout simplement une 15 idées de cadeaux qu'elle va vous soumettre. En général, les gens, si vous en demandez 15, il y en aura 16, 17, voilà. En général, ils vous en donnent toujours un petit peu plus, mais voilà. Donc là, vous avez payé 5,70€ et vous avez en plus ce que je vous parlais des options. Donc, pour 5€ de plus, elle vous donne 25 idées au lieu de 15 idées. Ici, elle vous donne 35 en tout. Si vous voulez que ce soit fait rapidement, vous payez 10€ et elle vous livre en moins de 2 jours. Parce que voilà, c'est chercher des cadeaux, ça peut prendre du temps. Elle le fait sur son temps libre. Donc voilà. Donc vous faites, si ça vous plaît, vous faites acheter, etc. Et vous communiquez avec elle. Vous pouvez toujours lui poser une question avant de proposer de faire une commande. Est-ce qu'elle est capable de satisfaire votre commande? Si elle vous dit oui, là vous payez et elle va commencer à faire la recherche pour vous. D'autres exemples, par exemple, la rédaction d'articles SEO, donc ça, ceux qui font des articles le savent. Pour des personnes qui ont par exemple des blogs ou autres et qu'ils ont pas le temps de faire tout simplement, ils n'ont pas le temps de créer un article. Pourquoi? Parce que ils sont en vacances, parce que là ils ont plus trop d'inspiration, parce qu'ils ont un événement familial qui fait que cette semaine ils n'ont pas le temps, mais le blog il doit vivre, etc. Ou voilà, ça vous permet d'avoir d'une personne qui vous fait quelques blogs pour vous aider, ou simplement pour vous commander 2-3 articles pour après vous appuyer dessus pour créer nouveau, pour voir comment c'est constitué un article. Donc suivant le nombre de mots, vous avez des options, etc. Donc voilà, ça c'est à vous de trouver ce qui vous plaît. Des options qui coûtent très cher, attention, c'est pour ça que je dis le site s'appelle 5€, donc c'est minimum 5,70€ le service. Après, il y a plein d'options. Faut savoir que chacun a plein de concurrents, donc faut trouver la personne qui niveau qualité-prix est la meilleure, suivant si vous avez un gros budget ou un petit budget, et surtout certaines personnes vont vouloir quelque chose de très spécifique, et donc certaines personnes qui proposent le service ne sont peut-être pas aptes à vous fournir ce que vous demandez. Donc faut bien faire ce bon choix. Voilà, des idées dans les démarches administratives, pour les déménagements par exemple. Effectivement, il y a plein de paperasse à faire, peut-être vous y connaissez rien. Bah elle, c'est certainement quelqu'un qui a dû déménager souvent, ou alors quelqu'un qui travaille peut-être dans les agences de déménagement, etc. Et donc du coup, elle peut vous proposer de vous aider, ou voire même de réaliser toutes les démarches à votre place. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop le temps ou qui y connaissent rien, qui ont peur de faire des conneries, que ça vous retombe dessus, ça peut être intéressant. Pareil, si vous avez un site internet et que vous avez des problèmes dessus, ou alors qu'il est lent, etc., bah la personne, c'est un informaticien qui va regarder un peu tout ça et qui va vous améliorer votre site pour qu'il soit plus fluide et qu'il n'y ait plus de problèmes. Vous avez à chaque fois en fait le profil de la personne, hein, son expérience, etc. Un petit truc et vous pouvez lui poser des questions, soit sur ce qu'elle fait ou autre. Vous avez toujours à chaque fois le délai, donc 93% de respect de délai, donc c'est-à-dire qu'on l'annonce 24 heures, il le fait 93% du temps avant 24 heures, tout simplement. Le temps de réponse, c'est-à-dire quand vous envoyez un message, en général
Dans les 5 heures, il a déjà répondu. Et ça, c'est le nombre de commandes en cours. Quelqu'un qui a une commande en cours, c'est quelqu'un de bien. Sauf qu'il faut savoir ici, voilà, qu'il a 5 étoiles et qu'il a déjà 110 avis. Donc, il a déjà fait 110 commandes et là, il a encore une commande en cours. Donc, ça prouve qu'il travaille régulièrement. Ça, c'est quelqu'un de très bonne confiance. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Il a une note de, d'ailleurs, 97 sur 100. Donc, si on regarde en bas, plus bas, il a 110 avis positifs et 0 négatif. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, vous avez plein de commentaires, qui est au top, apparemment, que les gens adorent, etc. Donc il faut pas hésiter à foncer là-dessus et si ce qu'il vous propose vous plaît, allez-y, vous pouvez fermer les yeux et y aller directement. Il y a des personnes par contre qui n'ont aucun avis et là il faut quand même bien lire, bien poser les questions. D'ailleurs vous avez des chances que ce genre de personne, la question à la poser, la réponse sera forcément oui je sais faire parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très compétent. Alors que voilà des gens par exemple, qui ont ici honoré... 0 avis positif, 0 négatif, attention, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Donc là, c'est quelqu'un voilà, quelqu'un qui veut changer de style vestimentaire ou qui sait pas s'habiller. Hop, elle vous donne des conseils et il vous donne des conseils et ça permet de trouver un nouveau style, etc. C'est peut-être intéressant pour les gens qui veulent souhaitent changer. Ceux qui veulent transformer votre corps et votre esprit, donc ça, c'est pour faire du sport. Donc ça, c'est il vous offre un PDF et avec plein d'explications, des vidéos, etc. Et vous pouvez aussi rajouter du temps par Skype avec lui, il va vous coacher. Dans le même exemple, ici pareil, du coach via Skype, donc 1 heure, etc. Donc ça permet d'apprendre. Donc là, vous montrez une petite vidéo de ses performances, d'un exercice. Et voilà, ça vous permet pour ceux qui n'ont pas trop d'aller, pas envie de payer pour être dans une salle de sport et qui ont peur de faire n'importe quoi. Là, ils ont logiquement un vrai coach qui vous donnera des vrais conseils. Pareil, attention, foncez pas à tête baissée, ça se trouve c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Faut quand même parler un peu avec lui, lui demander s'il a une expérience, quel est son métier. S'il est coach, bah, il n'y a pas de raison s'il fait ça en plus pour arrondir ses fins de mois. Là, on tombe sur quelqu'un qui fait de l'art, qui fait des très très beaux dessins. Vous lui envoyez une photo de vous et tout simplement, elle va vous dessiner. Il ou elle, je ne sais pas, elle va vous dessiner tout simplement. Donc, elle vous donne un peu les styles qu'elle fait. Voilà, elle vous dit que c'est qu'en pièce jointe, elle l'envoie pas à domicile, etc. Donc, si vous souhaitez plutôt des options supplémentaires, certaines personnes qui font des dessins vous proposent des options en noir et blanc, d'autres en couleur, d'autres une incorporation de votre visage, par exemple dans une montagne, comme si vous faisiez partie intégrante de l'élément. Voilà. Donc, suivant ce que vous recherchez, vous allez trouver plusieurs propositions. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça de manière. Ça peut intéresser certains, voilà, si vous. Tiens, j'aurais ça, j'aurais bien voulu faire ça. Tiens, j'aurais aimé faire ça, mais j'ai pas les compétences. On regarde tout de suite sur 5 euros. On tape ici le microservice qu'on recherche. Et avec une. On a une grande chance de trouver quelqu'un qui peut nous aider. Si vous savez pas trop. Si. Voilà, vous savez pas trop où, quoi rechercher. Bah, cherchez dans les catégories. Voilà. Par exemple, CV, la démotivation. Là, quelqu'un qui sait pas faire un CV. Bah, je suis sûr que vous cliquez et vous allez trouver sur des personnes qui vous proposent. Bon, là, mon internet a vraiment beaucoup de mal. Mais sur le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous laisser ici. Je pense avoir tout dit. Je vous ai présenté un site qui est un peu différent. Je parle pas trop ce genre de choses en général, mais je me dis que j'ai découvert ça et que je pense que je suis pas le seul à ne pas connaître. J'ai aucun intérêt à le faire. J'ai pas de partenariat ni rien. C'est juste pour le plaisir de vous proposer un site qui peut être utile et vous faire gagner du temps. Parce qu'effectivement, si vous cherchez par exemple quelqu'un qui vous fait du graphisme, ça va coûter très très cher. Alors que là, avec ce genre de site, on peut réussir à trouver un truc sympa à moindre coût. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.